and the sails billow as the ship follows the course revealed by the map. The order is given. Drop anchor. Your crew descends into the depths in search of the beast. Amanar is close. The ancient Merworm roars. In defiance or anguish, the predator is not used to the role of prey. From the shadows comes another to claim the prize of slaying Lothan's guardian beast. Wolfheart's bane will become Fellheart's glory. But you are in his way. Your hunt is over. The Merworm is not yours to slay. It is a creature of Mathlan, Lord of the Deeps, and only I am charged to cull in his name. It has been amusing watching your sea-racked corpses stumble and dodder as you tracked the prey. But Amanar is Lothan's guardian, a creature aligned to the Asur. Who are you to interfere in such an ancient rivalry? The prize is mine, and mine alone. The beast is summoned. Your use is at an end. Prepare to face the Kraken Lord! Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kerstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Total Warhammer 2 avec le groupe Noctilus von Kerstein de la Flotte d'Atom. Là on est en train de faire la bataille finale pour cette quête et on va essayer de l'emporter tout simplement. Hop, on est en train de cartonner, c'est bien. Oh, attention les hydres. On est tout de suite en pleine action. Oh, c'est quoi ça, c'est le carabis? Non. Ah si. Alors, là je vais dire tout de suite à mes unités de se faire attention. Alors, ok. Le sinon me couche dessus. On est encerclé de partout, hein. On n'a pas le temps d'arriver. Donc là je vais envoyer tout de suite mes unités de garde des profondeurs à le garder ici. Mes mandibles qui sont déjà prendre d'assaut, ça c'est fait. Alors, où sont mes bardiers? Bon là c'est déjà fait ici, il n'y a plus personne. Je vais essayer d'envoyer ça sur l'hydre. Les mandibles se sont fait découper. J'ai beau temps de voir ce qui se passe. Je vais dire la Kundes de focus ici dans la grosse mêlée. Et je vais dire à ces quarts des profondeurs, à mes arquebusiers de reculer. Là, c'est le bordel cette bataille, vous amis. Attention à la dernière de l'interrompre. Là j'ai pas eu le temps de me déployer dans cette bataille, c'est un peu le bordel, désolé. Donc là... Non, pas toi. Ma Carona, je vous dis pas de tirer, j'attends un moment plus opportun. Noctilus, lui on va lui dire de balancer un sort. Ici. On va essayer de foutre le bordel avec lui. Allez. Ça attire le... C'est bien, tout le monde commence à partir. Là, on est en train de chasser les envahisseurs.
Là, je vais dire un unité de focus ici. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le moteur mandibule, ok. Les arbitres qui reviennent. Alors, on a quoi comme capacité à pleurer? Oh, ça, c'est bien le jeu, je suis couplé, faut pas l'oublier. Faut tirer moi là-dessus. Je vais dire un outil de régénérer ici. Bon, ça va. Ils reviennent. Oula, visez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Sûrement des morts vivants. Wow. Je veux dire mon unité de se reformer ici. Toi, reviens là. Qu'une baisse, on va l'économiser. Parfait, une déshydre est tombée là-bas. C'est vrai qu'avec le boost de portée qu'on a, on est plutôt peinard. Visez-moi ça là, vite. Ok, attends, c'est quoi ça? Et vous? Et voilà, qu'est-ce que je disais? C'est des unités de code vampire également. Et des cadavres bouffis, attention à eux. Parfait. Queen Beth. Ah, on a aussi nos renforts qui arrivent. Bon, ils viennent de loin derrière, mais bon. Pourquoi pas. On va reculer nos unités rapidement. Parce que là, on ne fera pas le point. Faut que nos canons soient couverts. Et je dois surtout garder des munitions pour si tu veux t'occuper de ça, vas-y. C'est quoi de ça? Garde des profondeurs, Albardi. Hop, on va les soigner tout de suite. C'est parfait. Les chiens gadou qui jettent sur moi Albardi, bah on va s'en occuper. Mes arquebusiers qui sont pris. Ouh, attention aux arquebuses, là, reculez. Les tourmenteurs mandibules qui s'occupent des unités de chiens galeux, là, c'est très bien. Alors, on va vite les soigner. Je veux dire, là, j'essaie de viser cette unité-là, tiens. Il faut abattre les abordeurs bombardiers, ils vont être pénibles sinon. Et là, couper du champ marin pour optimiser. Qu'est-ce qui contourne là? Des gardes des profondeurs. Ok. On les chasse, on les nettoie. Ouais, on a pu. On recule. Ça c'est quoi? Des gardes des profondeurs avec un dast. Oula, visez-moi ça là. D'autres gardes des profondeurs ici. Oh, on a des renforts de Prométhéens pourrissants, je les avais zappés. Donc, hop, on va les ramener. Vous, allez là-bas. C'est quoi ça? Ah. Je suis désolé, mais cette bataille, c'est un peu le bazar. Ah, elle a plus la recharger ses munitions, ça c'est cool. Est-ce qu'il y avait des cadavres, je crois? Oh, attention! Reculez, reculez. Il faut les exploser, sinon c'est mort là. Oh merde. Le régiment il a pris cher là. Oh lâche, mes arquebuses vont manger quoi. Encore d'autres renforts, sérieux. Déjà. Oh, nos gardes des profondeurs, ils sont en train de manger. J'allais aider parce que sinon ça va pas aller. Alors là-bas ça se bat, là-bas ça se bat.
Je l'ai ramené en toi aussi. J'ai rajouté tous mes colossaux prophètes avec l'Optimus ensemble. Demande Wilson. Bingo. Il y a un colosse Necrofex. Ok, bon bah, fais volonté là-dessus. Là, il faut rendre du renfort. Bon, la CB, c'est qu'ils sont en train de craquer petit à petit. La team B7, on garde ses munitions. On a de la réserve là-bas, on va aller les chercher. C'est des boucaniers, on va se les faire. Je vais dire à nos plus de lancer un sort, je vais prendre un risque. C'est pas mal. Hop, on bombarde à distance, on les harcèle. Arquebus, c'est quoi ça? Des loups. Vite, visez-moi ces nouveaux. Visez-moi ces arbordeurs, pardon. J'ai du mal à parler. Hop là. C'est pas mal ici. Reculé. Ouais, là ça tombe comme des mouches, c'est cool. Les gardes des profondeurs ici s'en sortent très bien. J'ai approché un Octilus pour donner du soutien aux troupes. On va garder nos cadavres bouffis en réserve. Je vais tout couper. Vous, vous venez par là. C'est quoi ça? Cadavre bouffi, attention. Vous reculez. L'Octilus qui est en train de nettoyer. Un petit point de commandement ici. C'est quoi ça? Oh attention, le mandule. Bon ça va. Je vais dire à cette visée là. Recule. Vite, charge-moi ça là. On va charger le canon, logique. Ça c'est fait. Quel bâtard. Et là, ils en ramènent en masse. Je sais pas combien ils sont, mais ils sont nombreux du coup. Arquebus, j'ai visé ces chiens là-bas. Et ça n'arrête pas, hein. En plus, j'ai reculé vite. La Queen Bess qui reste des munitions. Bon, il y en reste. Ouais, alors. Maelstrom, empower me. Ça, c'est quoi? Des boucaniers armada stockés. Attends, là, c'est quoi contre quoi? C'est là dans le dos, là. Il me reste 3 unités d'Arquebus ici, c'est très bien. Visez-moi ça vite. Ils cherchent à abattre l'Octilus, mais ils vont pas soulever de bonheur. Le premier temps pourrissant, c'est quoi ça? On va éviter. Visez ça. Allez, d'autres gardes des profondeurs, ils arrivent en masse. Mais c'est tout, ouais. Je veux dire à la caronnette de tirer sur ces PDV à temps pourrissant. On va en avoir besoin. Là c'est quoi qui arrive? Oh, d'autres cadavres bousculés, ok. Les mandibles qui sont un peu bousculés. Hop là. On va stopper le tir. Il faut garder une mission pour la fin. Parce qu'à mon avis, ça va être quelque chose d'assez consistant qu'on va avoir à gérer. Toi, visez-moi ça.
mortals quail. Il a plus de 15 mètres de profondeur là, vous voyez. Il faut se mettre sur ce, sur 1. Et on va encore booster le commandant de métro. Bon là c'est bien, ils sont en train de gérer. Là-bas nos arcubes y reculer. On va peut-être garder profondeur là-bas, on va les ramener. Alors il en est où? Lui est en train de mourir tranquillement, ça c'est fait. Occupe-toi de ça toi. Ils sont combien encore? On a encore des troupes en réserve, on va les ramener. Bon. Ok, le colosse nécrophex la feu. Il faut venir aider. Je vais ramener les gardes de profondeur en renfort. Oh, c'est compliqué cette bataille. Il nous reste juste encore une vague. Ouais. Un peu de résurrection, ça ne fera pas de mal ici. On va tirer dans le dos ici. Il faut tenir une minute encore. Oh, le commandant des unités est en train de s'effondrer là. C'est une bonne chose. Là, je vais envoyer. Je vais garder les cadavres bouffis. Alors là, c'est quoi qu'il a foutu? Ah, des Prométhéens pourrissants, ok. Allez, on va charger l'endroit, c'est bon. Eh ben, quelle bataille épique. On va vite se reformer. Il faut tenir une minute, on va essayer de se former ici. Toi, tu recules. On va ramener la Queen Bess là. La caronade, ça va être pour une cible spécifique. D'où il vient, cœur de pierre? Tu vas pas me dire qu'il vient de notre flanc. Oh, il n'en serait capable, remarque. Allez, on régénère nos forces. Oh, Manor. Donc ils sont encore 700. Waouh, on n'est pas assez nombreux les mecs. Hein. Halt, Noctilus. C'est bien. Recul. Oh, ça veut dire qu'on est dans le mauvais sens là. Attention. On va faire un barrage de tir avec le colosse nécrophex. Voilà le cœur de pierre, c'est lui qu'il faudra abattre en priorité. Bon, je pense que ça devrait le faire avec toutes les canons qu'on a. On a une bonne puissance de feu. Ça promet d'être délicat, mais je pense que si on gère bien notre affaire, on devrait pouvoir la battre. Il nous reste aussi nos cadavres bouffis qui vont nous servir à un moment ou à un autre. Alors si on pouvait abattre tous ces cavaliers noirs, ce serait parfait. Arquebusier, est-ce que vous pouvez l'abattre d'ici? Non, pas encore. Caronade. Queen Bess, feu. Allez, si on peut en finir avec ces cavaliers noirs. Yes. Caronade, visez le kirkeur de pierre. Annihilation. Non, on va se faire gaffe ici. Il a plus de munitions, mais qu'est-ce qu'on a? Des corsaires, il a su une attaque dessous, c'est parfait. Là, qu'est-ce qu'on a?
Attention. C'est parfait, là, notre ami est en train de clamser. Je sacrifie le colis de confecture pour faire un sort. Voilà, ça fout le bordel dans les régiments adverses. Où sont mes gardiens? Il est où, cœur de... Il nous reste des monstres en réserve, on va s'en occuper. Le tireur de pierre, il faut l'abattre. Je pense qu'on va la gagner celle-là. On les tient. Là-bas, on a réussi à repousser ces monstres. Et où leur général? On l'a battu? J'ai pas vu le tireur de pierre mourir. Ah si. Alors, on est. En plus il meurt là quasiment noyé, c'est bon ça. Donc là on va avancer, il faut pousser là. Tout le monde est en train de fuir là. Faut les poursuivre. Prométhien, allez me chercher seul là. On n'a plus de magie. On va se faire ça, les corseurs. La mort de l'Occur cœur de pierre a vraiment fait mal. Et là, on va tout chasser. Allez, mourir, putain. Abattez-moi cette caradrice là. Non. Car il y a 10. Là, ils peuvent pas tirer, j'ai compris. Il nous reste quoi en munitions? Retournez-vous comment? C'est bien. Le commandement du monstre est en train de vite craquer là. Allez. On perd tous ses points de vie petit à petit. Ils ont encore tout ça de tireur, faut. Quel abus. Et là il nous reste une grosse salve à mettre. Ils sont anti-infanterie les mecs. Allez, maintenant on abat les corsaires des arches noires. Et c'est la victoire à la bataille des marées éternelles. Ok, du coup on vient de gagner cette quête. Bon, ça fait pas mal de sous d'ailleurs. J'ai renforcé mes unités d'11%. The Kraken Lord is defeated. His mantle of the sea's greatest pirate is almost yours. But there remains another task to fulfill. The beast is lured to the surface. Wolfheart's harpoon yearns to be fired. Now blessed with charms hidden within the ancient sea shanties, it thrums with power. The lore of beasts to raise a beast. Amanar has risen again, but its flesh rots, for it is no longer Ulthuan's ancient guardian of the sea, but an undead monster within your thrall. You have the ultimate prize, a treasure greater than any jewel, and with it, your infamy will spread far beyond the coasts. The seas are yours. Its prey and plunder await. Eh bien, c'est la fin de cette campagne avec le comte Noctilus von Kerstein, donc la flotte de la terreur, on a réussi à l'emporter. On a remporté cette bataille finale de manière compliquée. Je suis désolé si j'étais un peu
fouillis dans ma vidéo parce que bah, je m'attendais pas à être pris à la gorge rapidement quoi. Mais bon, j'ai réussi à m'en tirer, c'est le plus important. Donc là, je vais juste vous faire continuer la campagne parce que j'avais fait une ellipse. Et je vous montre un peu ce que j'ai fait pendant tout ce temps. Une mise à l'usure. Due aux tempêtes et aux récifs. Très bien. Gloire est à nous, on a gagné la campagne. On a remporté la bataille des mares éternelles. Alors, où est notre armée? Donc ça. Voilà, donc bon. J'ai profité de l'hélice pour pousser contre Khemri. Je voulais pas trop me battre avec eux, honnêtement. Et les œufs, ils arrivent, là, je sais pas c'est pour qui. Détail important, vu qu'on a réussi à gagner cette campagne. Donc j'avais poussé contre Khemri, ils avaient une trentaine de territoires. J'ai fait une razzia ici pour couper un peu l'arrivée de renfort, donc entre les sables mouvants et Khemri même. Je me suis aussi permis un petit kiff, parce qu'on m'a parlé de la pierre de Nagash contre les Khemri. Donc lui il va rentrer là-dedans. Je pense. Ouais, on peut rien recruter spécial, apparemment non. Les bon, les Khemri ils sont vraiment redoutables. Hein. Donc voilà, au niveau des technologies, bah, j'en ai développé pas mal pour la bataille finale. Surtout pour des bonus anti-large, bonus anti-infanterie, meilleure visée. Voilà quoi. J'ai aussi pris ce suivant, donc le maître artilleur, ça m'a bien servi. Il me rajoutait 15% de portée dans la bataille pour mes arquebusiers, donc ça a été vraiment utile. Alors par contre là, il y a un petit souci à chaque fois, je sais pas pourquoi la caméra elle fait ça. Et vous voyez que bah, j'ai eu 211 de portée avec mes arquebusiers, ça a bien aidé. Mais c'est lié aussi au bonus que j'ai eu pendant l'ellipse. Donc j'avais la ligne de tir qui me donnait 5% de réduction du temps de rechargement. Et aussi 20% de portée pour toute unité d'infanterie. Donc j'avais quand même 100, 145 de base, plus 10%, ça faisait 160, ils l'ont rendu supérieur. Vous rajoutez 20%, on est à 196. Et le suivant 15%, on est à 211. Donc ça, c'est vraiment puissant, sincèrement. Heureusement que ça fait pas ça pour l'artillerie, parce que ça serait tellement cheaté ce suivant. Donc voilà, c'est la fin de la campagne avec le compte Noctilus. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Avant de clôturer cette vidéo, je sortirai une vidéo d'Attila dimanche, donc pour pallier un petit peu au Total War. Et la semaine prochaine, je commencerai la grande campagne Age of Mythology, la chute du Trident. Je vous dis à la prochaine, c'était Kaiser von Kersheim, merci d'avoir suivi et à bientôt.